J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute petite vidéo pour vous présenter en bref, enfin vous parler de mes projets que je compte mettre en place ou y réfléchir cet automne, cet hiver. Tout d'abord, agrandir mon poulailler, parce que pour l'instant le poulailler il est tout petit, j'ai mes 3 poules. Je pense l'agrandir. Et dites-moi aussi en commentaire si ce que je dis peut être faisable ou pas, si tu t'y connais. Donc agrandir mon poulailler et reprendre d'autres espèces de poules d'ornement. Voilà, j'aimerais bien aussi un couple de canards, donc pour l'instant je partirai sur soit un couple de mandarins, soit un couple de carolins pour mettre dans le poulailler. Voilà, et avoir la superficie du poulailler une fois agrandi, mais pourquoi pas mettre avec par exemple un petit bouc nain ou une chèvre naine. Voilà, dites-moi en commentaire ce que tu en penses. Ensuite, dans mon champ, donc j'ai un champ qui est collé à l'étable où pour l'instant il y a mes chiens qui dorment dans l'étable. J'aimerais bien donc dans le champ mettre âne et poney. Voilà. Par exemple, je sais pas, 2 ânes, un poney ou 1 âne, un poney. Enfin, voilà. Donc je compte sur vous en commentaire. Pour ceux qui s'y connaissent, me mettre en commentaire quelle association peut être le mieux et tout et tout et tout. Et vu que l'étable est collée au champ, bah, l'étable leur servirait d'abri par exemple. Donc voilà. Ensuite, j'ai un. Il y a Pumba qui est sur mon étendoir à linge, juste de l'autre côté de la caméra. Pumba, il va tout faire tomber. Donc si vous entendez un gros bruit, bah, c'est Pumba qui fait tomber tout mon linge. Et dans mon verger, du coup, pourquoi pas mettre des moutons. Voilà, encore à réfléchir, parce que les moutons, il y a la tonte, il y a toutes ces choses-là. Et j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, un petit cochon vietnamien. Voilà, c'est mes projets. Donc bien sûr, évidemment, trouver un endroit où faire un parc pour les lapins dehors. Un endroit pour une volière pour mes calopsites. Tout ça, c'est en projet. Faut que je voie ça cet hiver, cet automne, cet hiver, pour que ce soit prêt l'année prochaine. Voilà. Donc cette vidéo n'était pas du tout préparée. Je l'ai fait en speed parce que déjà, je n'ai plus beaucoup de batterie sur ma caméra. Et le temps que je recharge la batterie et tout, après, il aurait été trop tard pour que je filme. Et voilà. Donc je n'ai pas préparé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Donc j'attends tes commentaires, voilà, tes conseils, tes avis, tes idées. Si tu as d'autres idées que ce que j'ai pas dit ou autre, mets-les en commentaire. Oui, je parle avec mes mains, blablabla. Voilà, mets-les en commentaire, je suis preneur de conseils, de tout ce que tu veux. Et sur ce, je te dis à samedi prochain. Bye !